On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. On vous emmène sur un événement ce week-end à Bordeaux, les Power Contest. C'est une compétition d'haltérophilie non officielle organisée par Power Institute et Power Camp à Bordeaux. C'est la 3e édition. C'est une compétition un peu différente des autres. Le système de qualification se fait à distance, un peu comme les Open sur le CrossFit. On a du coup 4 events auxquels on doit participer, qui sont souvent des complexes d'haltérophilie. Et à l'issue des qualifications, les meilleurs athlètes sont conviés à la finale à Bordeaux, où les athlètes vont avoir 3 essais sur chacun des deux mouvements, 3 essais à l'arraché, puis 3 essais à l'épaulé jeté. Il n'y a pas de catégorie de poids, tous les athlètes poids confondus sont sur le même plateau, et ils sont départagés via ce qu'on appelle le score Sinclair, ce qui veut dire que si deux athlètes soulèvent la même charge, c'est l'athlète le moins lourd qui sera avantagé et qui sera gagnant. Les Power Contest, c'est pas une compétition comme les autres. Je sais pas si vous êtes déjà allé à Power Camp, vous avez sûrement eu l'occasion de voir des vidéos. C'est une salle où l'ambiance est incroyable, où l'émulation tire les athlètes vers le haut. Et c'est vraiment ce qu'on ressent dans cette compétition. Les spectateurs sont de plus en plus nombreux et portent vraiment les athlètes qui sont sur le plateau. La musique est à fond. Par rapport au silence le plus total qu'on peut observer en compétition classique, l'équipe organisatrice est au top et vous allez voir, on s'est régalé. Donc Power Camp et Power Institute vont très certainement sortir un after movie qui va être incroyable. En attendant, on vous propose de vous immerger dans l'ambiance du jour. On vous emmène avec nous sur la 2e journée des Power Contests. J'ai oublié un truc. Si vous voulez directement aller regarder un plateau en particulier, vous pouvez aller à cette minute-là pour voir le plateau des Masters, hommes et femmes confondus, à cette minute-là pour voir le plateau A des femmes et à cette minute-là pour voir le plateau A des hommes. Donc on est au Power Contest, c'est le jour 2. Ce matin, on vous emmène voir les masters et cet après-midi, vous verrez les plateaux A des filles et des garçons. Salut. Ah, y a pas de...
Allez, Romain. Allez, Romain. Allez, Romain. Yeah!
j'espère que voir tous ces plateaux vous a plu. Cette année encore, Redon et Lorraine restent les vainqueurs, comme l'année dernière. On espère que vous serez nombreux à participer à la prochaine édition du Power Contest qui aura lieu l'année prochaine. C'est vraiment un événement qui, comme les Open de CrossFit, permet vraiment d'unir toute la communauté de l'haltérophilie dans le monde. Ça permet de, chaque semaine, faire un événement en commun avec tous les haltérophiles du monde. Et c'est quelque chose de vraiment unique et de vraiment valorisant. Que vous ayez un niveau incroyable ou que vous soyez débutant, ça permet vraiment de faire grandir ce sport et de faire grandir la communauté de l'haltérophilie. On espère que cette vidéo vous a plu. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans une vidéo qui sera assez différente. Et on a vraiment hâte de vous emmener avec nous. En attendant, vous pouvez regarder notre dernière vidéo ici et vous abonner juste ici. Ciao !